Fernando Cuadrado es Inocia Uruguay. Quelle est l'origine de la couleur? La couleur dépend des caractéristiques de la lumière et de nos yeux. La lumière blanche est constituée d'un grand nombre de couleurs différentes, les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur du spectre correspond à une longueur d'onde particulière de la lumière. Parmi ces couleurs, on trouve le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Nous pouvons voir les couleurs car nos yeux possèdent trois récepteurs différents sensibles au rouge, au vert et au bleu. Lorsque ces récepteurs sont stimulés, nous pouvons percevoir toutes les couleurs. Lorsqu'ils sont stimulés par paire, nous percevons le jaune, le cyan et le magenta. D'autres couleurs, telles que l'orange, le gris et le brun, sont produites lorsque certains des récepteurs sont partiellement stimulés. Le processus qui produit des couleurs par l'addition de lumières de longueurs d'onde différentes est appelé synthèse additive des couleurs. Les couleurs des pigments résultent d'une synthèse soustractive de couleurs. Lorsque la lumière blanche atteint une surface colorée, certaines longueurs d'onde sont absorbées et d'autres sont réfléchies. Ainsi, la couleur de la surface dépend des longueurs d'onde réfléchies. Ce processus est appelé synthèse soustractive, car la couleur que nous percevons dépend aussi des couleurs qui ont été soustraites de la lumière blanche incidente par absorption.